Je voudrais appeler à mes côtés maintenant, après ces interventions de nos partenaires, qui permettent d'ailleurs de faire vivre aussi ces événements, je voudrais proposer à Nicolas Liot, qui est adjoint au maire de Fleury-sur-Orne, de nous rejoindre. Fleury-sur-Orne, c'est dans Caen-la-Mer, dans la grande agglomération de Caen. C'est là que nous tiendrons d'ailleurs les prochaines assises, le 6 mars. J'aimerais également que nous rejoignent deux représentants actifs de la région Nord-Pas-de-Calais, que sont Alexandre Desrousseaux, qui est chef de projet usage et services numériques à la mission Région numérique au Conseil régional, que la plupart d'entre vous connaissent. Ça fait de longues années que Alexandre diffuse à la fois pour la région, mais aussi à titre d'enseignant dans différentes maître de conférences dans différentes universités sur ces sujets du numérique. Et je rappelle que la région Nord-Pas-de-Calais est membre de l'association Ville Internet, comme plusieurs régions de France, d'une manière historique. Je crois que c'était la première qui a montré l'exemple. Donc voilà, et nous appelons toutes les régions à la rejoindre, bien sûr, dans ce partenariat qui nous permet d'avoir un grand nombre de villes labellisées Ville Internet en région Nord-Pas-de-Calais. Également pour la région Maurice de Beauchère, qui représente ici Créatique. Il nous expliquera comment fonctionne ce centre de gestion et en quoi il est essentiel pour accompagner les collectivités locales de la région. Également, je suis très heureuse de vous présenter, si vous ne le connaissez pas déjà, Nicolas Chagny, qui est donc président de l'Internet Society France. Alors, on est très content que Nicolas ait pris cette présidence après différents amis qui ont tenu cette place-là également. C'est très compliqué aujourd'hui d'être le président de l'Internet Society France, parce que ça reste l'Internet Society, et ça a été fondé aux États-Unis. Donc, il y a des tas de gens qui sont un peu inquiets à cause de ça, mais en l'occurrence, les positions dans la relation, notamment avec la gouvernance de l'Internet, sont absolument essentielles. Il faut que la France tienne ce rang-là, de notre point de vue, en tout cas. D'où la présence de Nicolas ici. Et puis Adrien De Vos, que vous avez entendu, il a fait une petite intervention tout à fait pertinente pour rappeler que la médiation numérique devait accompagner ces enjeux d'identité et de sécurité dont on a parlé. Et donc il est responsable de l'association pour le développement en réseau des territoires et des services dans des régions qui, comme d'autres, nous sont chères, et dans des endroits où la médiation numérique est le seul rapport des citoyens avec le numérique, finalement, parfois, notamment en grande ruralité. Mais ce n'est pas uniquement de ce point de vue-là qu'il parlera. Alors, je vais vous proposer, on vous a promis un temps participatif, donc ça va être le cas. Donc je vais proposer à chacun de se présenter, non plus dans ses intitulés ou de compléter ce qui pourrait manquer simplement, mais sur ce que vous, de votre point de vue, comment vous abordez ce sujet, comment vous y apportez une contribution, et s'il vous plaît de le faire dans un temps un petit peu restreint, quelques minutes chacun, et ensuite on commencera les interventions depuis la salle en réaction à ce que vous avez lancé comme sujet sur ce débat de l'après-midi, et puis on reviendra vers vous une fois la salle, et on reviendra, on va jouer un petit peu cet effet comme ça. Donc préparez vos réactions, vos questions, vos remarques, vos propositions, vos suggestions. Elles sont tout à fait bienvenues. Alors je vais commencer par l'élu, ça se fait. Voilà, il fallait bien choisir. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Oui, alors développer la confiance numérique. Développer la confiance numérique des citoyens et des acteurs locaux. Alors nous, évidemment, on est une commune de 4000 habitants, donc on essaie de stimuler en fait la participation des habitants, et donc finalement de trouver les citoyens et les acteurs là où ils sont et de les impliquer dans notre démarche, quoi. Alors c'est évident que pour une collectivité, ça a été dit ce matin, les collectivités sont repères et garants de cette confiance, et nous ce qu'on essaie, c'est d'expliquer notre démarche, d'expliquer nos choix. Donc, et à travers cela, en fait, ça permet aussi aux citoyens et aux acteurs de prendre conscience de ce qu'est finalement
la sphère publique et la sphère privée, ce qui relève de la sphère publique et finalement ce qui relève de la sphère privée, quoi. Donc à partir de là, on le fait via nos outils, on le fait aussi via l'espace public numérique auquel on demande d'intervenir à la fois sur le lieu même, mais aussi à l'extérieur, lors des événements, finalement essayer de trouver les acteurs là où ils sont pour expliquer la démarche, les sensibiliser sur ce qu'est la confiance et puis en termes de numérique et puis les outils et comment on essaie de les développer. Donc voilà. Une petite question par rapport à, je crois savoir que quand la maire et les acteurs que vous avez sur le territoire sont très impliqués sur la question de l'identité numérique notamment. Oui, oui. Alors, en deux mots. Alors c'est aussi historique parce que si vous savez, en fait, ça a été un peu abordé ce matin, notamment la carte à puce, etc. Donc en fait on a des entreprises qui étaient implantées sur le territoire de Caen-la-Mer et donc on travaillait sur les questions bancaires y compris alors il y avait alors ça a été longtemps Philips, ça a été ensuite à un moment il y a eu Delarue, Auberture, etc. Et donc il y a eu un moment une mutation du secteur et donc de fait vers le NFC y compris l'identité numérique. Il y a par exemple alors j'ai oublié le nom de la société, c'est qui nous disait Art Déco, voilà. Art Déco qui aussi a créé une application un peu similaire et complémentaire à France Connect. Donc c'est vrai que le secteur, notamment autour de la Normandie French Tech, est très impliqué sur la question de l'identité numérique. Mais, merci, et donc on aura probablement des rencontres tout à fait passionnantes avec ces acteurs-là le 6 mars. Alexandre, on parle des collectivités beaucoup, puisque c'est normal, c'est Ville Internet, mais on a aussi vu la position de l'État et l'effort que fait l'État pour accéder à ces services de manière sûre et avec une identité certaine, enfin confirmée, vérifiée. Comment aujourd'hui une région comme la région Nord-Pas-de-Calais peut accompagner ces collectivités et quels sont éventuellement les principes qu'elle doit faire éventuellement respecter puis en tant qu'acteur territorial pour que ce sujet soit abordé avec sérénité, parce que c'est source de choix politiques, c'est source de choix technologiques et c'est source éventuellement de divergences aussi sur la manière de gouverner, puisque l'identité est aussi un outil de gouvernance. Alors je te remercie de ne pas avoir posé la question quel est le rôle de la région, parce que j'aurais répondu rien, en tout cas rien en direct. Une région, vous savez ce que c'est un grand machin, encore plus grand demain. Nord-Pas-de-Calais-Picardie, je ne sais pas encore quel en sera le nom. Un grand machin qui produit de la stratégie, qui produit de l'orientation. C'est le cas de la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on s'est doté d'une stratégie sur ce sujet. L'un des éléments que nos élus ont souhaité mettre au cœur de notre stratégie de promotion des usages des services numériques, ça a été de mettre l'usager au centre. C'est ce qui fait que, on va parler de l'action d'accompagnement, on va dire argent. Nous, on n'a pas d'argent en propre, on a du FEDER, mais voilà. On va prendre à Bruxelles l'argent dont on a besoin. On a dit, tiens, il y a trois trucs, trois manières de placer l'usager au centre. Il y a le fameux co-design que nous promouvons. Et on pense aujourd'hui que pour avoir une stratégie territoriale de développement d'usage et service, il faut l'appliquer en amont, l'usager. Il y a la dimension débat. Il faut mettre en débat ces sujets-là. Parce que ce sont des sujets techniques, mais en fait, ce sont des sujets politiques. Et puis le troisième niveau, là encore, le diable est dans les détails, c'est ce dont on a beaucoup parlé ce matin, les plateformes technologiques. Jean-Paul disait, je reprends son propos, mettre en place des plateformes qui absorberont la complexité pour permettre la simplification pour l'usager. Je pense que l'enjeu, il est là. On est là en train de faire des bidouilles informatiques qui vont permettre à l'usager d'avoir une vie plus simple et de ne pas effectivement devoir gérer les multiplicités des identifiants, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de promouvoir effectivement cette simplification et donc de permettre, de faciliter les échanges de pratiques,
de permettre l'inclusion de volets dédiés à ce sujet dans les grands projets que nous allons accompagner vers le financement européen. Voilà, ce sont principalement les actions que nous, aujourd'hui, on peut jouer à l'échelle d'une région. Merci. Maurice, une région ne peut pas agir seule. Les centres de gestion sont là pour aussi accompagner les acteurs territoriaux. Comment Créatic s'empare de ce sujet-là pour accompagner les collectivités? Alors, Créatic, c'est un centre de ressources e-administration et technologie de l'information et de la communication qui a été créé par l'ECDG, l'ECDG étant un petit machin départemental par rapport à la région, bien sûr. L'objectif de ce centre de ressources, c'est d'accompagner les collectivités dans tout ce qui est appropriation du numérique, c'est-à-dire dans tous les projets numériques. Effectivement, notre objectif, historiquement, il est passé par deux étapes. La première étape, c'était faciliter la dématérialisation des échanges entre les administrations, que ce soit entre collectivités ou entre les collectivités et l'État, ACT, PES, etc. Et puis, on est passé à une deuxième plateforme, si je puis dire, qui est effectivement simplifier l'administration électronique, enfin aider les collectivités à simplifier l'administration électronique dans les relations avec les usagers, tout en veillant à la sécurité que cela impose. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de confiance sans sécurité. Donc les trois missions actuelles de Créatic, qui sont exercées à travers un groupement de commandes. Le groupement de commandes regroupe 700 collectivités, donc tourne autour de trois axes, dématérialisation inter ou administration, sécurité des systèmes d'information et relations avec les usagers. Alors, ça veut dire effectivement qu'on va se poser le problème de l'identité. Pourquoi ? Parce qu'on parle de plus en plus du cloud. Le cloud, ça veut dire qu'on va avoir des données qui vont être stockées quelque part. On ne sait pas trop où. Tout ce qu'on sait, c'est comment y accéder. Comment y accéder et avoir l'authentification pour pouvoir y accéder. Donc le problème de l'identité numérique, elle va se poser aussi bien pour les agents que pour les élus, que pour les usagers. Effectivement, on a, depuis 2008, travailler sur l'identité numérique et on s'est attaché à la fédération d'identité. Ce qui fait qu'on a créé un fournisseur d'identité pour les agents et on propose dans le cadre du groupement qui est actuellement actif tout un tas de services qui viendront dans quelques mois se raccrocher à ce fournisseur d'identité. La différence avec France Connect, c'est que c'est une vraie fédération d'identité, à savoir qu'on a un compte centralisateur et on vient lier les comptes des applications, enfin des fournisseurs de services, à ce compte. La deuxième vague qui arrive, c'est effectivement la production de sites Internet, mais surtout de téléservices, avec France Connect. L'objectif, comme je le disais, c'est de simplifier le back-office des collectivités à travers la simplification pour les usagers. Donc ce groupement de commandes est actif. Je vous disais, il y a plus de 700 collectivités. Les services sont en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas, si vous avez adhéré au groupement de commandes, à nous faire signe. Voilà, un appel qui est lancé. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur certains projets qu'on adressera à l'ensemble des villes Internet du territoire. Pour ce qui est de Adrien, de cette médiation dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, les médiateurs numériques, qui sont notamment dans les espaces publics numériques, même si tout ça est en train de se transformer avec des pôles interrégionaux qui viennent d'être organisés avec le concours d'Axel Le Maire, la secrétaire d'État au numérique, qui a signé des partenariats avec des associations qui supportent dans l'ensemble de la France des pôles interrégionaux de médiation numérique, est-ce que, de votre point de vue, un médiateur du numérique aujourd'hui, dans l'état actuel de ses compétences, de sa formation, des services qu'on lui demande aussi, est susceptible d'intervenir sur ce sujet de l'identité et de la sécurité qui, par ailleurs, peut sembler difficile à vulgariser? Oui, alors, donc je représente effectivement, je travaille pour une association qui s'appelle l'ADRE, on travaille sur l'accès aux services publics dans les Alpes.
mais je suis là au titre de la CORAIA, la coordination Rhône-Alpes de l'Internet accompagné, qui est financée par la région Rhône-Alpes. Donc on est un peu on est financé par les homologues, Alexandre. Il faut se dire qu'il y a autant de médiateurs numériques qu'il y a d'espaces publics numériques, autant de profils. L'écueil principal serait d'avoir un attendu unique et formalisé de ces points-là. Comme d'ailleurs il y a autant de profils d'élus au numérique que de direction, enfin que de nombre d'élus. Donc la question principale sur elle est bien celle de la formation. Aujourd'hui, il y a deux choses en cours dans le cadre de la structuration nationale de la médiation numérique. Il y a des accords qui sont passés entre le CNFPT et les réseaux de la médiation numérique pour à la fois former les médiateurs numériques, bien sûr, qui relèvent de la fonction publique territoriale, mais aussi d'inscrire les EPN comme centre de ressources en tant que formateurs pour les autres agents des collectivités du territoire. C'est un des enjeux si on veut parler co-design, si on veut parler implication de la population. Nous, on estime que c'est bien, dans la mesure où ces lieux en sont capables et en ont les compétences, d'associer les espaces publics numériques ou les tiers-lieux ou toute autre structure de médiation numérique à l'élaboration des politiques numériques. Le second point, en deux mots, un petit dispositif mis en place par la région Rhône-Alpes qui s'appelle le Pass numérique. Ils se sont rendus compte que par rapport à ces questions, notamment d'identité numérique, de dématérialisation, ce dont les gens avaient besoin avant même de savoir manipuler Pôle emploi.fr ou France Connect, c'était d'avoir quand même un peu un ordre d'idée de ce qui se trame derrière tout ça. Et ils ont mis en place une session de 10 heures de formation à destination de tous les usagers. 10 heures pour lesquelles l'usager se rend dans un espace public numérique et à 4 modules autour de la collecte et de la vérification de l'information, de l'identité numérique, de la e-administration et du lien social local ou comment le numérique peut venir alimenter et développer du lien social local. C'est un dispositif qui a connu un grand succès. Il s'avère que la conclusion principale, c'est qu'en fait, avant que le public lambda suive cette session, il fallait que les élus et les techniciens y passent. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les travailleurs sociaux, les agents des collectivités et une grande majorité des élus n'avaient pas la moindre idée de quels étaient les enjeux. Alors ici, je parle à un public d'inverti, mais je peux vous garantir que, par ailleurs, les élus et les techniciens des collectivités n'ont en général pas la moindre fichue idée de ce qui se trame derrière le cloud, on en a parlé, derrière qu'est-ce que c'est Internet, Et la question de l'acculturation à tous ces enjeux, elle est très importante. Et dernier point dans un rôle, je suis content d'entendre dire à cette tribune que le numérique c'est politique. Depuis tout à l'heure, on parle sécurité. Moi, je pense que c'est très important et en même temps, on voit quand même des injonctions contradictoires entre le fait que les collectivités sont incitées à faire preuve de sécurité et qu'en même temps, on incite les citoyens à surtout pas protéger leurs connexions et leurs interactions sur Internet parce qu'il faudrait pas quand même qu'il y ait des vilains terroristes qui se cachent derrière. Et je pense que malheureusement, on est quand même face à une incompréhension nationale de quels sont les enjeux du numérique. Et je ne suis pas sûr que mettre des mouchards derrière tous les fournisseurs Internet, ce soit une très bonne manière de s'atteler à cette question de l'identité numérique. Voilà. Mais sur le débat est lancé. Bon, le mot mouchard, je l'assume et je le garde pour moi. On verra si certains ici veulent effectivement réagir et s'en emparer d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, ce qui a été dit jusque-là, Nicolas, pose... un vieux sujet, si je peux me permettre, qu'on a abordé depuis longtemps, qui est celui de la gouvernance de l'Internet. Alors, si ça ne te dérange pas de rentrer peut-être par cette définition-là, parce qu'on confond souvent gouvernance des services, etc., et gouvernance du réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un enjeu de gouvernance du réseau et pourquoi, comment ? En plus que 7 minutes, alors. Globalement, ton point de vue, simplement. Oui. Hein, c'est pas en quelques mots, enfin, je vais juste resituer, enfin, en une minute qui en est. Donc, l'Internet Society, c'est une organisation internationale. Il y a à peu près 68 000 membres, et on est présent dans une centaine de pays. Et notre objectif, c'est de représenter les utilisateurs d'Internet. On est membre at large de l'ICANN. Donc on représente au sein de l'ICANN les utilisateurs. L'ICANN étant donc... L'ICANN, justement, j'allais expliquer qui est l'organisme qui est chargé du nommage. Et donc c'est celui qui attribue les points quelque chose, donc ce qui va vraiment à la fin de l'adresse Internet et du coup qui représente un des piliers
un des piliers du nommage Internet. Donc, nous, on est aussi les gestionnaires du .org, et ce qui est une source de financement de l'Internet Society, et du coup, qui nous permet d'agir à la fois localement sur des pays en voie de développement, par exemple, pour donner des bourses sur des projets d'innovation, d'agir sur de la formation, de l'éducation. On a fait aussi des modules sur la partie identité numérique, et puis d'agir dans les instances de la gouvernance de l'Internet, sachant qu'effectivement c'est des instances qui sont assez complexes, très américaines, donc il y a des choses dans lesquelles vous pouvez venir avec nous, ça permettra d'avoir aussi des points de vue des collectivités. C'est par exemple le forum de la gouvernance de l'Internet, qui est un forum qui a été qui est un forum de discussion, d'échange, et qui du coup fait des propositions après au niveau international, et qu'on a relancé depuis 2 ans en France. Donc ça, c'est une initiative qui est intéressante. Et puis on est dans un calendrier sur la gouvernance de l'Internet qui est assez particulier. Je vais essayer vraiment de le résumer en 2 mots. En décembre, il y a le sommet mondial de la société de l'information, qui est un sommet qui a lieu 10 ans après le sommet de Tunis qui avait eu lieu en 2005. Donc j'ai cru comprendre que globalement on allait plus ou moins réécrire ce qui avait été créé à Tunis il y a 10 ans, mais que comme c'était très complexe de se mettre d'accord au niveau international, ça allait pas bouger beaucoup. Tout le monde était toujours d'accord sur ce qui avait été dit en 2010. Mais par contre, il y a une transition qui est en cours quand même au niveau international et au niveau de la gouvernance qui est intéressante, c'est la transition des fonctions que gère aujourd'hui l'ICANN, qui sont donc la gestion c'est eux qui attribuent les .com, les .net, les .org, et là le gouvernement américain a engagé une transformation de ça vers quelque chose qui soit plus sous l'égide du gouvernement américain, parce que c'est encore le cas pour l'ICANN. Donc c'est des discussions qui ont été repoussées, mais où globalement il y a quand même des enjeux aujourd'hui de faire en sorte que ce soit pas que les États-Unis qui aient la main mise sur la gouvernance de l'Internet. Et je dirais 2 mots sur la confiance après, mais on fait un tour après. Non, vas-y. Non, c'est, alors, en tout cas, pourquoi on a voulu qu'il y ait ces personnes qui soient là ici? Parce qu'en fait, quelque part, on a depuis ce matin une représentativité à peu près complète de tous ceux qui sont impliqués sur les enjeux d'identité et de sécurité, de toutes les typologies d'acteurs. Et c'est ça qu'on voulait, sur quoi on voulait aboutir dans cette relation avec vous. Et maintenant, on est intéressé à entendre les auditeurs de cette journée et à voir comment, en fonction notamment des acteurs que vous avez là en face de vous maintenant, quels sont les sujets qui vous paraissent les plus pertinents de là où vous êtes, ou quels témoignages vous voudriez apporter. Donc je vous laisse, le cas échéant, prendre la parole. Alors vous allez jouer le jeu, hein, parce que sinon on va ramer, nous. Ou alors vous... Vous continuez la sieste. Qui veut... Pourtant, il n'y a pas de frites. Alors, oui, hein. Franchement. Donc, l'acteur régional, l'acteur international, non, bien français, mais en relation avec les maîtres de l'Internet. Encore, il y a un bouquin qui s'appelait comme ça, et je pense que malheureusement, on peut encore dire ça aujourd'hui, d'un certain point de vue. Les acteurs de la médiation et les élus, vous en êtes, vous faites partie de ces réseaux-là, et qu'est-ce que vous pourriez en dire aujourd'hui, là maintenant, cette identité du citoyen? Est-ce que vous avez le sentiment, après ce que vous avez entendu, que tout est en marche pour qu'elle s'opère dans l'ordre? Elle ne vous pose pas de problèmes, d'enjeux, de questions? Est-ce que vous avez des solutions à y apporter? Des contributions à donner. Moi, j'ai une réflexion sur... J'ai une réflexion sur une parole qui a été dite ce matin de l'élu de Vannes sur... on est dans une société, on essaie de simplifier l'usage de la ville aux usagers, et on voit des institutions du type la CNIL qui nous mettent des freins
alors que c'était tout à fait ouvert, notamment quand on a eu le projet de carte de vie quotidienne dans les années 90, fin des années 90. Et puis en 2013, on nous dit non, les services que vous avez mis en place dans le cadre de ces cartes de vie quotidiennes, c'est battu en brèche, on va mettre 10 grandes familles. D'abord, au départ, c'était chaque famille, chaque service avait son identifiant, et les élus des collectivités sont montés au créneau en disant non, c'est pas possible de gérer chaque service avec un identifiant spécifique, on va créer 10 grandes familles de services, et d'ailleurs ça posait des problèmes puisque à la base c'était 7 familles de services, après c'est passé à 10, et la famille de stationnement n'était pas liée au transport, mais on a bien vu que dans la chaîne de déplacement, en fait le stationnement devait être lié au transport, et encore je ne sais pas si le stationnement n'est pas lié à la voirie, et la voirie ne fait pas partie de la chaîne de transport. Enfin bon, c'est assez complexe, donc d'un côté on nous dit il faut simplifier la vie des usagers, et puis après on nous dit il faut bâtir des usines à gaz, et aujourd'hui on est vraiment là, et si on est là aujourd'hui et qu'on parle, de toute façon on n'a pas encore les solutions, on ne sait pas comment on va mettre en place les systèmes pour simplifier la vie des usagers avec des contraintes de plus en plus fortes. Donc où se situe aujourd'hui, on se situe où? Est-ce que quelqu'un dans la salle ou autour de moi veut essayer de réagir? Parce que je ne crois pas qu'on ait de réponse. La CNIL a été invitée à Vannes, la CNIL a été invitée ici, la CNIL sera invitée à Fleury. Nous espérons qu'ils nous rejoindront. Voilà, ils ont répondu qu'ils ne venaient pas. Voilà. Donc, je vais même ajouter, on leur a posé la question, puisque à la base on avait une carte avec un seul identifiant, et on a dit, bon, on a différentes familles de services, on va y mettre des clés de cryptage, et chaque système utilisera une clé qui lui est propre, et donc à partir d'un identifiant unique, on a la possibilité de diversifier les identifiants, et donc de gérer différentes identités, différents identifiants. Et au départ, ils étaient opposés à ce système. Donc, à mon avis, la question a été posée à des juristes qui sont restés sur leur vision des choses juridiques. Et puis après, on a reposé la question, mais peut-être à des techniciens au sein de la CNIL. Et là, ils ont dit, ah oui, là, ça nous intéresse, éventuellement, vous pouvez faire les choses. Donc, en un an, ils ont changé de position par rapport à l'acceptation. Et ils ont bien vu que les collectivités étaient dans la capacité de pouvoir muter, de faire des mutations technologiques entre un moment où, dans les années 90, ils étaient bien sur la base d'une carte de vie quotidienne qui devait être l'élément et le support de l'accès à tous nos services de la collectivité. Ça devait être même la carte d'identité portée par la carte d'identité. Je pense que le carte d'identité actuelle ont des puces, et je pense que c'était l'objectif à la base quand on avait les cartes d'identité, de pouvoir, comme ça se passe dans un pays de l'Est qui est très intégré, dont le système a été mis en place d'ailleurs par des ingénieurs français, soit en Lituanie, je crois. Donc il faudrait vraiment avoir, ou que les élus fassent pression sur la CNIL pour savoir où on va, quoi. Alors, il y a plusieurs questions de votre main. Pardon, une réaction de Laurent Charréron et ensuite Maurice de Beauchère. Alors je peux pas répondre pour la CNIL, mais si on regarde ce qui se passe sur le plan de la réglementation, les différentes approches de la réglementation mondiale, vous avez une approche qui est une approche plus nord-américaine qui consiste à considérer que la donnée est une donnée commercial, est un asset, comme on dit, et donc c'est la FTC aux États-Unis qui va réglementer, et non pas sur des grands principes, mais pratiquement au cas par cas. Donc vous avez toute une série d'actes, plus d'une dizaine d'actes, qui vont réglementer, par exemple, l'accès pour les enfants de moins de 13 ans, ou bien l'échange de données pour l'observation dans le domaine de la santé, des choses comme ça. L'approche européenne est quand même très fortement inspirée par la France, elle est beaucoup plus, j'allais dire, dogmatique sur les principes, c'est des philosophies de droit, fondamentalement, et ça connaît forcément des limites, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi qu'il y a des aspects complètement contre-productifs de la réglementation, c'est que si on prend par exemple les cookies qui ont nécessité des adaptations de sites web qui ont coûté terriblement cher, ça ne sert absolument à rien, puisque de toute façon, on ne peut pas avoir accès aux fonctionnalités du site si on ne clique pas sur l'acceptation du cookie. Donc c'est des espèces de trucs qui sont des schmilblick juridiques qui ne correspondent pas à la réalité de l'utilisation.
Ensuite, il faut faire des cas et des jurisprudences, et je pense que c'est un avis personnel, mais la CNIL est confrontée à ces aspects-là. Ils sont pas débiles, ils voient bien comment l'Internet évolue, mais ils sont aussi peut-être pris dans ces contraintes de philosophie de droit. Quoi. Maurice ? Ça marche. Tout à l'heure, on parlait de projet politique. Effectivement, si on a un projet politique qui va dans le sens de la simplification et qu'on dit de façon simple, comme nos amis wallons, on ne réclame pas à un citoyen un document qu'une autre administration peut fournir, on a un vrai projet politique. À partir de là, on essaie de trouver des solutions techniques qui vont dans ce sens-là. Et puis il y a des gendarmes, soit des gendarmes juridiques comme la CNIL, soit des gendarmes techniques comme l'ANSSI, qui effectivement vont influencer, enfin vont dire... On ne peut pas faire ça pour telle raison, on ne peut pas faire ça pour telle raison. La CNIL, effectivement, s'est battue pendant un moment pour éviter qu'on puisse remonter à travers les identifiants pour accéder quand on a une authentification centralisée, pour qu'un fournisseur de services, à travers le compte centralisé, remonte vers un autre fournisseur de services, typiquement remonter vers les impôts pour aller chercher des infos. La caisse d'allocation familiale remonte vers les impôts ou des choses comme ça. Puis est arrivée la fédération d'identité. La fédération d'identité, c'est une solution technique qui effectivement a satisfait la CNIL, puisqu'il n'y a pas moyen de remonter à travers les identifiants. Donc à partir de ce moment-là, la CNIL a dit OK, à partir du moment où... Enfin, elle a donné sa bénédiction sur le système de fédération d'identité. Alors, par rapport aux cookies... La position de la CNIL, c'est de dire il y a effectivement un cookie qui peut être posé, c'est le cookie de session. Donc effectivement, si on n'accepte pas le cookie de session, en général, on n'accepte pas au service. Par contre, si vous laissez faire les opérateurs, vous avez des cookies qui sont posés pour 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans ou pendant 2 ans, vous êtes traqué sur vos visites, puisque n'importe quel site peut aller voir si ce cookie, pour savoir si vous êtes déjà passé ou pas. La CNIL a dit... 2 ans, c'est trop long. 13 mois, ça suffit. Alors pourquoi 13 mois? Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas 16 mois? C'est 13 mois. Donc je pense qu'effectivement, la vraie réalité, c'est le projet politique. C'est à un moment donné, on dit, on veut telle chose. Et puis derrière, il y a un tas de mouvements tectoniques, des plaques qui vont dans un sens, qui vont dans un autre, jusqu'à ce qu'on ait des passerelles qui, effectivement, nous donnent quelque chose de viable. Donc je ne ferai pas de reproches globaux à la CNIL, qui essaye effectivement de protéger un certain nombre de droits élémentaires. Je ne ferai pas de reproches à l'ANSSI, qui essaye de faire respecter un certain nombre de droits techniques, enfin de règles techniques. Je pense que tout ça doit s'adapter et qu'effectivement, ça prend un certain temps pour se positionner. Là, effectivement, on a un système qui s'appelle France Connect, qui a la bénédiction apparemment de tout le monde. Donc... Allons-y, et puis on verra effectivement s'il y a des problèmes de failles de sécurité, mais a priori, on a la bénédiction de tout le monde. Merci, merci Maurice. Adrien, tu voulais intervenir? Non, c'est moi qui l'ai en fait. Non, juste une petite réaction, et je donne la parole à Adrien. Une anecdote. Un jour, je présentais... l'équivalent de la carte d'Amiens à la Tech ITS, qui est un organisme de transport, et je présentais les vertus anonymisantes de la carte, et il y a quelqu'un qui m'interpelle, qui me dit « Oui, vous vous rendez compte, je viens de m'acheter un téléphone Samsung, je me suis connecté avec, et aussitôt, ça m'a redescendu tous mes favoris. » Je lui ai répondu, mais personne ne vous oblige à utiliser Google Chrome et personne ne vous oblige à acheter un téléphone Samsung. Et je pense que, pour revenir sur la logique de la médiation, les lieux sont aussi faits pour ça, pour éduquer sur un certain nombre de comportements, utiliser le mode privé. Enfin, là, il y a une polémique actuellement sur Google Chrome avec les add-ons qui scrutent les données. Ben, je pense qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'utiliser Google Chrome, on n'est pas obligé d'utiliser Google. Il commence à y avoir d'autres alternatives. C'est vrai que ce sont des solutions de facilité. Et je pense que la médiation est importante dans ce cadre-là. Il faut que chacun puisse être acteur de ce changement.
Oui, alors sur cette question, on est tout à fait d'accord. On touche à quel est le rôle du médiateur dans ce cas-là? Est-ce que ça va jusqu'à dire, bon, Google a peut-être pas besoin de vos informations, il a déjà ceux de 3 ou 4 milliards de personnes. Est-ce que c'est le rôle? C'est une vraie question hein, qui se joue dans les réseaux. Jusqu'où on va dans cette sur ces questions-là? En tout cas, sur des pratiques, on va dire, à minima de protection de la vie privée, là, il y a plutôt un consensus. Sur la question de la CNIL, je reviens parce que dans les lieux d'accueil, il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont parfois même pas une adresse mail ou qui, à minima, viennent dans un espace public numérique ou une maison de service au public pour faire leur compte La Poste ou leur compte France Connect. Et on a des animateurs et des animatrices qui se retrouvent avec des listes qui n'ont parfois, à l'échelle territoriale, rien à envier à celle de Google, puisqu'en fait, les gens sont dans une telle incapacité manipulatoire de faire avec le service, préfèrent que ce soit le médiateur, ou qui du coup n'est plus un médiateur, mais un faiseur à la place d'eux. Et on a sollicité la CNIL, alors qui nous non plus, ils viennent pas plus dans les Alpes, hein, je vous rassure, pour venir expliquer à ces lieux d'accueil qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Et puis, avec un vrai problème qui est pas d'ordre technique, mais humain, est-ce qu'on dit à la personne, ben non, je ne peux pas vous aider parce que je ne vais pas pouvoir retenir vos informations, donc il faut aller jusqu'à leur dire retenez-les, mais sauf que quand vous avez 300 personnes qui viennent dans le mois, vous ne pouvez pas retenir de tête les 300 mots de passe. Dans le lot, il y en a forcément qui les oublieront, qui ne les auront pas notés. Donc ça pose des vraies questions sur l'accompagnement à l'e-administration et jusqu'où on peut aller. Et je pense que c'est plus... Je pense qu'ils sont un peu perdus, effectivement. Je rejoins le point. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables, sur ce volet-là, de dire, dans le cadre d'un accompagnement à l'e-administration, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme fichier, puisque voilà, on est obligé, des fois, de faire à la place de la personne. Alors, ce que ça veut dire, on appelle l'assistante sociale avec un téléphone crypté en disant, voici le mot de passe. Mais en même temps, elle non plus n'est pas censée détenir un fichier comportant tous les mots de passe de l'administration, ça pose des vraies questions voilà, qui sont pas, pour lesquelles on n'a pas encore de réponse aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut compléter, réagir cette question de la relation sociale que les personnes déploient parfois via Internet, c'est-à-dire on le voit sur l'emploi, sur la santé, dans des endroits où effectivement les données personnelles sont particulièrement sensibles. Ça pose effectivement une question non seulement politique, mais probablement philosophique et éthique, sur laquelle on a du mal à prendre une position, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit dans la population que la majeure partie des Français sont inquiets, la première inquiétude qu'ils ont avec le numérique, c'est leurs données personnelles, sans qu'ils comprennent bien d'ailleurs nécessairement ce que ça veut dire. Souvent, on leur a dicté cette expression, alors ils voient données personnelles, effectivement, ça fait peur, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, au-delà de la formation, de la médiation qui est nécessaire, c'est quelle est la vraie question qu'il faut se poser? Est-ce qu'on doit vraiment avoir peur? Comment, quand on dit des politiques doivent intervenir, il faut qu'ils réclament, etc. Quelles sont les réponses, à la fois, j'ai envie de dire, de la part du secteur public dans la protection du service public, puisque quelque part, il y a dans la protection des personnes et du service public, mais aussi dans parmi les porteurs de solutions, comment vous traitez, vous abordez, j'ai envie de dire, à la fois dans vos éléments de communication, mais aussi dans philosophiquement, c'est cette question-là, qui on est tous citoyens, qui se pose à nous. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à cette question complexe que j'essaye de poser? Oui, madame. Bonjour. Bonjour, alors je suis Jamila Bentra, je suis chargée de mission prospective territoriale au sein de la MEL. Je ne suis pas particulièrement dans le domaine informatique, mais plutôt d'apporter un peu de hauteur, de recul et de dimension transversale au sujet. Et donc, par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin, moi, ma réaction, et en faisant le lien aussi à d'autres séminaires ou salons, la question que je me pose, c'est par rapport à la donnée, puisqu'on est en collectivité territoriale, le rapport à la donnée, au niveau des territoires, c'est de gérer les territoires. Et la question que je me pose par rapport à ces données,
par tous ces grands qui sont Facebook, Google, Amazon, etc. Je pense que la clé, la question qu'on doit se poser, c'est finalement cette recherche de récupérer de la donnée, alors que du côté du public, c'est cet enjeu de gérer les territoires. Quelle est la finalité pour eux? Alors si c'est juste une approche, une dimension commerciale, identifier les modes de consommation, orienter les besoins. À titre personnel, moi, je ne suis pas choquée, puisque finalement, on est dans un système consumériste et au quotidien, au travers des publicités qu'on reçoit, télévision, prospectus, etc., au quotidien, on est orienté sur nos modes de consommation. Donc, si l'enjeu, c'est de cibler davantage l'orientation de la consommation, après, on peut avoir un regard critique, mais en soi, je ne suis pas choquée. Par contre, je pense qu'un enjeu et une question que je me pose... C'est par rapport aux algorithmes, puisque effectivement, à chaque fois que ces données et au travers de l'interprétation, de l'analyse des données qui sont faites par Facebook et compagnie, on peut, par exemple, sur son fil d'actualité Facebook, en fonction de nos modes de consommation, en fonction des sites qu'on va visiter, en fonction des échanges, à un moment, je pense que le fil d'actualité vient orienter notre approche par rapport à ces données. Et du coup... vient se poser la question de est-ce que finalement on ne vient pas enfermer nos réflexions en fonction de l'espace que le numérique peut prendre dans nos vies. Est-ce que ces algorithmes, à un moment, ne viennent pas nous enfermer dans des modes de réflexion qui se ferment par rapport à nos modes de consommation? Et je pense que potentiellement, alors je ne sais pas si j'étais très claire dans tout ce que je viens de dire, mais je pense que ça peut être un enjeu qui renvoie à la liberté aussi des individus, parce que finalement... on n'est plus à orienter au niveau du mode de consommation, mais on commence à orienter peut-être à nous enfermer sur des réflexions et sur nos modes de réflexion. Donc, voilà. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je regarde Alexandre, parce que je pense qu'il a des choses à dire. J'en sais rien si j'ai des choses à dire, non, mais c'est... Est-ce que ça enferme? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. À un moment donné, vous disiez, oui, pourquoi pas remonter des informations si ça aide les démarches des entreprises commerciales dans une société consumériste. N'oublions pas que c'est aussi remonter des données vers des acteurs publics pour les aider à prendre des bonnes décisions dans l'intérêt des usagers. Donc, il y a le parallélisme de forme qu'il faut avoir. Donc, la remontée des données n'est pas que dans le champ commercial. Est-ce que ça enferme? Je crois que c'est Jean-Paul qui l'a dit ce matin, le risque, effectivement, ou je ne sais plus qui l'a dit, qu'on soit dans un monde prédictif complet, où on soit plus connu que soi-même. Moi, il y avait un petit truc que j'avais bien aimé, c'était redonner la donnée à l'usager qui produit la donnée. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand, à un moment donné, on relit Orwell, et puis on dit, oui, il y aura un Big Brother qui surveillera tout, et en fait, aujourd'hui, avec Facebook, on est tous des Big Brother. Et il y avait un petit édito de Daniel Kaplan, délégué général de la FING, qui avait à un moment dit, on aura gagné le jour où le citoyen sera au moins autant maître de ses données que ceux qui essaient de choper de données, qu'ils soient entreprises commerciales ou acteurs publics. Je pense que l'enjeu majeur, mais c'est l'enjeu qu'on esquissait sur la médiation, c'est redonner aux citoyens la maîtrise de ces données, de ces choix. Et c'est pas évident parce que, très clairement, moi, quand Facebook me dit « nouveaux termes et conditions bon, », j'accepte. Voilà. J'ai pas le choix. Mais en fait, si. Tu le disais, hein, je pouvais prendre un autre système. La vraie difficulté qu'on va avoir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on se laisse aller par simplicité, parce que ça nous simplifie la vie, à lâcher nos données, à renoncer à toute une série de libertés, parce que c'est plus simple. Et on râle quand le train arrive en retard. Et ben voilà, il va falloir qu'il y ait quelques trains qui arrivent en retard pour qu'à un moment donné, on invente un code de la route qu'on apprendra dès l'école primaire, dans la cour de l'école, comme on fait avec le vélo pour les futurs automobilistes, pour qu'à un moment donné, tout citoyen, avant l'âge du premier Facebook... cinquième, avant l'âge du premier portable, entrée au collège, ait suffisamment de background, ait suffisamment de connaissances pour avoir les bons réflexes. Aujourd'hui, on en est très, 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 très loin. Là, je parlais du collège et on parle du législateur. Là, tout à l'heure, avec la CNIL, on parlait du législateur qui est sorti du collège depuis fort longtemps et qui, aujourd'hui, n'a peut-être pas complètement compris que ces enjeux qui sont parfois trop relégués aux contingences techniques sont effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des enjeux hautement politiques. Je ne sais pas si c'est une réponse complète à votre interrogation sur l'enfermement, mais voilà, c'est l'impression que moi, ça me donnait à vous entendre.
Nicolas. Oui, on le voit bien aujourd'hui. En fait, on est un peu à la, on va dire à la traîne du secteur privé. Là, je parle du, pour le coup, pour le secteur public, c'est-à-dire sur les données. Et aujourd'hui, en fait, c'est des grands groupes, ou voire même localement, ça peut être certains secteurs, par exemple le secteur immobilier, etc., qui produisent de la donnée et diffusent les données. Et en même temps, nous, je pense que le rôle des collectivités, on a tout intérêt à ouvrir les données et pourquoi pas publier nous-mêmes, via des cartographies, les données, de manière à ce que, quelque part, on sécurise l'information qui est transmise aux citoyens. Je pense que ça relève aussi, ça doit devenir le rôle de la force publique. Et pour le coup, c'est l'open data. Je pense que c'est une question essentielle. À partir de là, ils pourront, on va dire, les citoyens pourront réutiliser la donnée. Donc quelque part, on va se faire déborder, j'ai presque envie de dire, sur la question de la donnée. Mais moi, je préfère que c'est un peu comme la démocratie. Moi, quelque part, ça me fait pas peur, dès lors que ça n'appartient pas à quelques groupes. Et pour le coup, c'est ça la force citoyenne finalement, c'est que c'est les citoyens qui se l'approprient. Et donc, c'est à nous aussi d'armer les citoyens, en leur donnant les données qu'ils pourront réutiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que finalement, le secteur public, il est en retard. On voit bien, on a mis du temps, ce soit avec la loi sur le numérique, finalement, qui intervient, mais il était temps, quoi. Donc, et je crois que tout le problème, finalement, il est là, quoi. Donc, et je pense que nous, on a une grosse réflexion, et je reviens sur ce que je disais au départ. Il faut voir ce qui relève du secteur public, ce qui relève du secteur privé. Et tant qu'on n'aura pas, eu cette réflexion-là en global, et qu'on n'aura pas apporté les moyens, parce que, à un moment, c'est aussi la question des moyens. Moi, je vois, je suis dans une collectivité, il y a 4000 habitants, quoi. Donc, il y a des collectivités, en plus, qui ont plusieurs dizaines de milliers d'habitants, je pense à Vannes, il y a des collectivités de plus de 100 000. Mais je vois aussi, moi, des fois, autour de Caen, je parle avec des collectivités, il y a 400-500 habitants. Donc, eux, les moyens, eux, la CNIL, ils se la posent même pas. Vous leur parlez CNIL, c'est tout de suite, en fait, ils mettent un frein, en fait. Parce que, tout simplement, ils se disent, on va pas faire, parce que là, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop technique, quoi. Donc je pense qu'il y a la question aussi de l'accompagnement, donc que doit faire l'État, que doivent faire aussi d'autres collectivités, je pense les départements ou les régions, pour accompagner les collectivités à justement prendre toute leur place plutôt, excusez-moi, dans cet espace public, quoi. Oui, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose à quel... Oh. Ah oui, c'est bon. Je ne sais pas faire marcher les choses numériques. En fait, je pense que, enfin, ce matin, on a beaucoup parlé de la question de la confiance, puis c'est le thème du débat. Donc, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut pas être influencé par l'algorithme de Facebook, on est libre de l'utiliser ou pas. Après, il y a sûrement aussi un rôle des collectivités à jouer dans le fait qu'on explique clairement à l'utilisateur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de valider quand il coche des conditions générales sur vos sites, ce à quoi il est en train de s'exposer, à qui il donne ses données et pourquoi. Nous, on a fait une étude en 2014 au niveau international, qui s'appelle Global Internet Report. On le fait tous les ans. En 2015, c'était plutôt axé sur le mobile. Mais en 2014, on a fait une étude. Et l'étude, elle disait, alors je suis jamais fort pour me souvenir des chiffres, mais que globalement, le résultat de l'étude, c'était que les internautes étaient totalement démunis en termes de protection de leur vie privée. Et puis, si on cite tout à l'heure, on parlait de la case à cocher de Facebook. Donc, en gros, il y avait 24% des répondants qui disaient qu'ils les lisaient jamais, aucune condition générale. 7% qui disaient qu'ils les lisaient. Bon, donc au milieu, il y a ceux qui les lisent à moitié ou qui les ouvrent et qui les ferment. Et dans les 7% qui les lisent, il y avait 12% qui les comprennent. Et il y a un autre article d'un magazine qui a fait un calcul assez rapide et qui a calculé que sur
les conditions générales que vous cochez pendant un an sur Internet, c'est-à-dire vous prenez une année d'un internaute, vous avez coché des choses tout le temps, il vous faudrait consacrer 76 jours de travail pour les lire et les comprendre. Et en fait, donc nous, on est en train d'essayer de monter un chantier en disant il faut rendre ça compréhensible, parce que finalement, le fait que ce soit pas compréhensible, ça protège même pas les éditeurs de sites qui sont derrière, parce que de toute façon, juridiquement, ça est difficilement opposable si c'est incompréhensible, si c'est bourré de liens, etc. Et du coup, il y a sûrement aussi un rôle à jouer là dans les initiatives de France Connect ou dans les portails que vous allez proposer, ou à un moment donné vous allez proposer de l'identité, c'est de dire ben nous les données, on va en faire ça, ça et ça. Les conditions, c'est ça, ça et ça. Et je pense que si on arrive à avoir quelque chose de simple, peut-être même avec un peu de signalétique, je pense qu'on arrivera aussi à accompagner des choses qui sont finalement pas si, qui pourraient être exposées de manière claire et pas dans un langage juridique qui fasse que les personnes ne les comprennent pas. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une attention particulière qui soit donnée là-dessus. Alors le petit truc rigolo, c'est que ce matin, en venant dans le train, je m'ennuyais et je me suis demandé sur le site des impôts s'il y avait des conditions générales. Un truc tout bête. Donc je suis allé sur impots.gouv.fr. Donc vous pouvez cliquer. Donc il y a un lien mention légale. C'est assez simple. C'est quelques lignes. Et puis à la fin, il y a quelque chose qui dit les mesures pour le respect de votre vie privée. Enfin, je sais plus comment c'est écrit. C'est les données. Vous cliquez, il y a une erreur 404. Et donc ça veut dire qu'on doit absolument se soucier, je pense, de ça, y compris quand on est un service public, et y compris quand on est un France Connect, et qu'à un moment donné, on crée son compte, on doit absolument être vraiment limpide sur ça. Alors, quelques réactions dans la salle. Je sais qu'il y a des tiers, alors Jean-Paul, il y a des tiers de confiance, ce qu'on appelle des tiers de confiance dans la salle. Il y en a quelques-uns à différents niveaux. J'aimerais bien aussi votre point de vue sur ce sujet. Alors, non pas de la lisibilité des mentions légales, mais jusqu'où on doit expliquer ce qu'on fait et qui est responsable de cette explication, de cette acculturation qui est le sujet essentiel qui a été latent toute la journée. Hein. Jean-Paul Leroy et éventuellement... Une réaction sur votre dernière intervention. Je pense qu'il faudrait veiller à ne pas mettre les instances publiques au même rang que les acteurs privés. On en parlait ce matin, nos logiques de plateforme doivent faire en sorte qu'on bénéficie d'une caution, d'une présomption de comportement de bon père de famille dans l'utilisation des données. Et donc moi ça me choque pas qu'il n'y ait pas de conditions générales d'utilisation d'impôts.gouv et que quelque part on puisse faire un cercle de confiance dans lequel on puisse aussi rentrer des acteurs privés pour faire en sorte que ces acteurs privés, en acceptant une sorte de charte qui devrait tenir dans une page ou quelque chose comme ça, et faire en sorte que ces acteurs privés y adhèrent et n'aille pas plus loin que ce que fait traditionnellement une collectivité. On a contribué dans ce sens-là avec la CUF et la MGVF et la DCF sur le projet de loi de société numérique en introduisant cette notion pour faire en sorte qu'en tant que fournisseur de services sur Internet, les acteurs publics ne soient pas exposés aux mêmes obligations et aux mêmes formalités qu'un acteur privé. Personnellement, ça me semble important de manière à faciliter la confiance et le développement des services numériques publics. Madame. Oui, moi, Béatrice, je représente la société d'Imiotis, donc tiers de confiance européen en cybersécurité. Moi, je suis choquée qu'il y ait effectivement des sites internet du secteur public qui ne sont pas sécurisés, pas du tout, ou alors parfois qui le sont par des solutions qui sont ni françaises ni européennes.
Donc il faut savoir qu'en France, il y a des acteurs très dynamiques dans ce domaine et qui ont des solutions parfois même beaucoup plus sécurisantes que des solutions autres que celles françaises et européennes. Donc je mettrai un point là-dessus, qu'effectivement, des solutions françaises, faut aussi les mettre en avant. D'accord. Donc l'État, des partenaires privés, mais européens ou français en tout cas. Un avis là, j'ai quand même envie d'entendre la Poste. Je suis désolée, je vous pousse peut-être, mais à votre liberté. Il y a plusieurs choses à dire. Au niveau de la Poste, la position de la Poste, elle est assez ferme sur la confidentialité des données. C'est un peu l'ADN de la Poste. Donc, on parlait tout à l'heure avec Olaf et moi ce matin de coffre-fort, de documents, d'échanges, de sécurisation des échanges de l'identité. Sur certains sujets, on va au-delà des recommandations de la CNIL. C'est notre ADN. À la fois parce que c'est de cette manière-là qu'on souhaite se différencier. On ne veut pas se positionner comme une concurrence frontale avec, par exemple, un Dropbox en disant « venez partager vos documents ici, c'est plus simple, c'est plus simple que chez Dropbox ». Mais parce que on pense que certaines choses, il y a une espèce d'hygiène, on a un rôle de pédagogie, on a des messages à faire passer et on se doit d'être exemplaire. Donc ça fait partie vraiment de la position de la Poste sur ces services de confiance numérique concernant le ça. Je reviens sur tout à l'heure le sujet de la CNIL, le devoir d'information. Nous, on pense qu'il est porté vers le fournisseur d'identité numérique, par exemple. On pense qu'effectivement le fournisseur de service a un devoir d'information, voilà. Mais au final, le risque, il est porté par l'émetteur d'identité numérique, par celui qui détient les identifiants, par celui qui permet d'identifier, d'authentifier l'utilisateur. Et donc, idem, on est en train de faire évoluer, de rendre encore plus lisible, parce qu'on va rentrer dans une échelle industrielle avec France Connect. Les mentions liées aux données de l'identité numérique. Voilà un petit peu comment on se positionne par rapport à ça. Oui, monsieur et Laurent. Oui, non, juste pour information, on a reçu l'ordre du jour de l'Open Lab France Connect qui a lieu la semaine prochaine, on l'a reçu hier soir, et il y a justement la définition des CGU dans l'ordre du jour. Donc, juste pour info. Par contre, je ne sais pas si le monsieur de France Connect est encore là, mais c'est dommage parce que, comme le mois dernier, l'Open Lab, il est en même temps que les réunions des interconnectés. Donc, encore une fois, on n'ira pas. Mais il y avait une grande réunion aussi à Paris avec la Gazette des communes sur le numérique aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui se passe dans ce milieu, ce sont des réunions, et des réunions, j'espère que vous jugerez celle-là aussi comme telle, mais sérieuse, où on va au fond des projets, où on se pose les questions, où on s'écoute. Et je crois que s'il y a tant de rencontres, c'est bien que il y a une conscience qui s'élargit de plus en plus à de plus en plus d'acteurs. Donc, tant mieux, tant pis. Oui, je voudrais revenir brièvement sur le sujet de la table ronde, c'est-à-dire la citoyenneté. Ce dont on vient de parler, c'est essentiellement des moyens défensifs de protéger, qui sont bien évidemment importants, il ne s'agit pas de les ignorer. Moi, je crois que la citoyenneté, elle se vit surtout dans l'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner des moyens aux citoyens d'agir dans cette vie virtuelle. Et les problèmes des gens, ce sont des problèmes concrets, c'est des problèmes de complexité de la vie quotidienne. Donc comment est-ce qu'on peut leur donner des applications qui vont leur permettre de simplifier la démultiplication des sources, des outils avec lesquels ils doivent faire toute la journée. Comment est-ce qu'on peut leur donner les outils pour enchaîner les différentes actions qu'ils doivent faire sur Internet, pour gagner du temps, pour être disponible le plus facilement possible. Cette citoyenneté, elle va se vivre dans les services au quotidien, dans un climat de confiance certes, mais dans un délivré des services. La sécurité, ça n'a jamais rien apporté à personne. Enfin, je veux dire, on le sait tous sur le plan individuel. Tant qu'on n'a pas eu un problème, on ne va pas s'assurer. La sécurité, c'est pas un truc qui se vend en soi. La confiance se construit, la confiance se vit, et elle se construit aussi par l'expérimentation. J'étais la semaine dernière à une conférence rapide sur les services avec les gens d'Airbnb. Les gens d'Airbnb vont vous dire notre savoir-faire à nous, c'est la technologie, mais si on pouvait se passer de la technologie, ce serait parfait. Nous, notre cœur de métier, c'est de mettre les gens en relation les uns avec les autres et qu'ils aient une expérience positive en allant les uns chez les autres. C'est là qu'est leur véritable valeur.
faut. Merci. Je veux juste illustrer, c'est anecdotique, mais on a eu l'occasion l'année dernière de mener un certain nombre d'études auprès d'utilisateurs pour un peu mesurer quel était le climat de confiance. On a d'ailleurs un baromètre de confiance à la Poste tous les ans. Et on n'a pas noté de qu'il y avait un manque de confiance qui bloquait les usages. Au contraire, on a mesuré que la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert avec les usages. Et d'ailleurs, on a fait un exercice assez intéressant, c'est qu'on a posé un certain nombre de questions à un panel d'internautes sur est-ce que vous partagez les photos en ligne, est-ce que vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vendez entre particuliers, ainsi de suite. Et puis on a, à la fin de toutes ces questions, on a dit « Est-ce que vous avez confiance ?» Et on a eu un score. Et ensuite, on a posé la question à un autre panel en disant « Est-ce que vous avez confiance sur Internet ?» Et ensuite, on leur a demandé « Qu'est-ce que vous pratiquez ?» Donc on est retombé sur les mêmes usages, mais deux chiffres différents de confiance. Ça prouve bien qu'il y a une prise de conscience, de confiance, pardon, qui se fait au travers des usages. Évidemment, ceux qui déclaraient spontanément faire des choses et après à qui on demandait est-ce que vous avez confiance étaient plus nombreux que ceux d'abord à qui on demandait spontanément est-ce que vous avez confiance ou pas. Donc la confiance s'acquiert avec les usages. Pour aller dans le sens de la confiance et de la montée en compétence des usagers, il y a un dispositif, j'ai entendu parler de Daniel Kaplan et de la FING, qui a été initié par la FING, qui s'appelle les Infolabs, qu'on retrouve notamment dans le réseau de la médiation numérique. Alors je ne sais pas si vous en avez par ici, dans la région encore Nord-Pas-de-Calais. Le principe, c'est que sur le même modèle que les espaces publics numériques qui, un temps, faisaient de l'atelier multimédia, de l'atelier Word, ou Open Office d'ailleurs, ou les Fab Labs autour de la fabrication, l'Infolab, c'est justement l'idée de permettre aux citoyens d'expérimenter et de tester leur rapport aux données avec des petits tests. On a par exemple le cas concret de la ville de Grenoble qui s'est appuyé sur l'Infolab. Donc concrètement, l'Infolab est porté par une SCOP qui est située à Grenoble sur les questions numériques et qui fait des ateliers citoyens en fin de journée, voilà, des horaires grand public, pour accompagner l'ouverture des données. Par exemple, la région, la métro grenobloise veut ouvrir les données de transport. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et comment vous, quelles questions vous posez vous en tant qu'usager sur l'usage qui pourrait être fait de vos données? Qu'est-ce qui est déjà possible actuellement quand on utilise un smartphone Samsung, voilà, et qu'on tweet toute la journée depuis le tram? En fait, on se rend compte qu'on peut faire votre trajet à partir de la géolocalisation des tweets. Voilà, tout qui met en face les usagers de l'exploitation qui est faite aujourd'hui de leurs données et qui pourrait être faite demain, mais dans un cadre public, un cadre de confiance de l'action publique. Et je pense que c'est des dispositifs, ça c'est une action concrète que peuvent faire les collectivités puisqu'elles peuvent soutenir les initiatives sur leur territoire d'éducation à la donnée. Alors, ça signifie qu'il y a une visualisation des données en question, c'est-à-dire que pour qu'on puisse mettre les citoyens ensemble autour d'une donnée, encore faut-il que cette donnée soit accessible, parce que la plupart des données brutes émanant du secteur public sont des données illisibles pour la pékine moyenne que je suis, en tout cas. Tout à fait. Pardon. Tout à fait. Dans le cas présent, c'est bien. Il y a une certaine partie des données qui avaient été mises à disposition de l'équipe de l'Infolab, qui sont pour le coup des gens, pas forcément des ingénieurs en informatique, mais qui ont une culture du numérique et qui sont capables de trier des données et de les mettre en visualisation, la data vis, comme on appelle ça aujourd'hui. Mais l'idée, c'est bien de quand même d'adopter des méthodes d'animation qui permettent aux gens de se poser des questions. C'est-à-dire que concrètement, ils ne commencent pas par un PowerPoint ou par une projection d'un fichier Excel abscon, mais bien en faisant par exemple exprimer les gens sur des post-it sur quelles sont leurs grandes craintes sur les données. Donc on est l'outil finalement numérique, on en revient, l'outil numérique est un prétexte, et c'est bien la méthode d'animation qui va être mise en place, qui va permettre aux gens de se poser la question de leur rapport aux données et de ce qui peut être fait ou pas demain. C'est la question de la création d'une société responsable. Monsieur, merci de vous représenter. Oui, bonjour, je suis Yann Thoreau-Lassalle, directeur de projet à la ville de Lille. Je ne sais pas si on m'entend bien, j'ai l'impression qu'il y a un écho, si. Alors, je suis aussi assez peu coutumier de ces questions-là. Donc, excusez-moi si ma question tombe à côté des préoccupations. Mais cela, malgré tout, on sent qu'il y a une question directe qui est liée aux données produites pour l'administration et à la confidentialité de ces données, qu'il y a la question de l'exploitation et de la traçabilité des données qu'on produit malgré nous. Et quel lien est-ce que vous faites avec les données qu'on
pourrait être amené à produire pour exprimer une intention, soit dans le cadre de la démocratie participative, soit dans le cadre de la démocratie représentative et éventuellement de perspectives de vote en ligne. Je veux tenter d'aborder cette question qui me semble tout à fait dans le sujet, si je peux me permettre, puisqu'on sait que la démocratie est en question, puisqu'on parle de citoyenneté, et qu'elle est en question d'abord dans la responsabilité citoyenne, dans la connaissance qu'on doit apporter dans les esprits, que les esprits doivent s'éveiller à ces sujets, et également que dans la relation au développement du territoire, et notamment au développement des territoires numériques, on a cet enjeu-là, donc de participation des habitants, à la fois participation qui est transformée par le support numérique et par le monde numérique, et en même temps qui est un sujet en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment l'Internet, sujet, objet, etc. Alors, on a un spécialiste de la démocratie du numérique à cette table. Je te vois me regarder du coin de l'œil depuis tout à l'heure. C'est pas moi qui ai posé la question, c'est oui. Monsieur. Alors, je suis pas sûr d'avoir forcément tous les éléments en tête pour répondre à votre question et ses différentes dimensions. Mais Florence l'a bien dit, il y a deux sujets. Il y a la question de débattre du numérique et du numérique pour le débat. C'est deux choses très très différentes et on peut très bien débattre comme nous le faisons sans outils technologiques. Là, je suis handicapé de la voix, donc j'ai un micro, mais on pourrait très bien se passer de cette technologie et pour parler de numérique. Sur l'autre volet, éventuellement, je peux peut-être dire deux, trois mots. Je pense qu'aujourd'hui, tu as prononcé le mot transformation, elle est profonde. Aujourd'hui, effectivement, il y a une intentionnalité citoyenne de s'exprimer qui peut, grâce à porte-voix qu'est Internet, trouver un écho nouveau. Moi, j'avais tendance à dire à mes étudiants que la télévision et le mot broadcasting, diffusion large britannique, était très gaullien, avec ses bras en V tournés vers la foule. Aujourd'hui, c'est la nature réticulaire d'Internet qui semble être le vecteur d'hybridation le plus fertile, et c'est l'horizontalité. Quand avant on posait la question de la démocratie, vous connaissez la démocratie représentative. Aujourd'hui, on en sent parfois les limites. On veut créer des horizontalités. Elles se font d'ailleurs indépendamment. Il y a des débats parfois beaucoup plus enrichissants en dehors de tout ce qui est institutionnel sur parfois les réseaux sociaux ou d'autres structures, tout comme la vie associative se fait en dehors. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui effectivement une opportunité pour les acteurs publics que nous sommes à se saisir de ces outils numériques pour engager des relations différentes, pas simplement jouer sur l'heure des réunions publiques qui sont très limitantes. Hein. On me reprochait souvent, on me dit « Ah, monsieur Desrousseaux, vous promouvez l'usage d'Internet pour la démocratie, mais c'est réservé à une élite qui a accès à Internet. » Je répondais, c'était élu, c'était un maire. « Ah, ben vous faites des réunions de 17h à 18h ou de 18h à 19h à l'autre bout de la ville, vous excluez ceux qui sont en poste, ceux qui reviennent à 20h chez eux, ceux qui, famille monoparentale, sont en train de faire les devoirs, les bains des enfants. » Donc un partout la balle au centre. C'est pas simplement ouvrir des publics différents, je pense que c'est la nature même de l'interaction démocratique qui est en train de changer. C'était Melvin Kranzberg, je crois que c'est Melvin Kranzberg qui disait, par rapport à Huffpool et l'influence de la société sur la technologie et vice-versa, il disait que les technologies ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Je pense que beaucoup de choses sont dites là-dedans. Il n'y a ni bon ni mauvais, c'est l'intentionnalité d'usage de la technologie, de ces données, le détournement qu'on peut en faire. Un pic à glace peut permettre de broyer la glace pour mon cocktail du vendredi soir ou permettre à une femme de tuer son amant, hein, CF les films. Ça, c'est l'intentionnalité qui est cachée derrière. Le côté ni neutre, c'est vraiment très très puissant. Moi je le dis, je le répète, je crois beaucoup à la vertu transformatrice du numérique par sa nature réticulaire. Je pense que la nature même de la démocratie va être en train de changer parce que ça sort par tous les côtés. Les gens se parlent beaucoup plus vite et plus efficacement et co-construisent. Et je pense que ça, c'est un élément qui est peut-être qui n'a pas forcément été beaucoup abordé aujourd'hui, mais qui est aussi au cœur du sujet, c'est de se dire que l'exercice de la citoyenneté passe aussi par le numérique et changer la nature. Ça va nous ramener aussi à la question de l'identifiant, parce que
on me racontait, c'était, alors je peux en parler, je crois que Vinevdas, oui, tu es encore là. Il y a quelques années, on me disait, oui, mais moi, je suis agent de la commune de Villeneuve-d'Ascq, je n'irai pas sur le forum d'expression citoyenne parce qu'il faut que je déclare mon nom, mon prénom. Je suis agent. Éthiquement, déontologiquement, j'ai une vie de quartier, mais on va dire que je suis taxé de... Voilà. Et cette question de l'identifiant des personnes dans le champ de l'exercice de nos démocraties, ben, elle va se poser là aussi. Et j'en plaisantais avec Jean-Pierre Triquet, qui s'occupe du numérique à Dunkerque, il disait, on a le carnaval. Et le carnaval, c'est l'art de mentir, de se travestir, et je pense que c'est essentiel qu'on puisse se travestir derrière un identifiant qu'on pourra ouvrir hein, quand il y a débordement par rapport à la loi. Mais c'est bien de pouvoir s'appeler de temps en temps DD59, en femme, avec une grande ombrelle rose, pour s'exprimer sur des sujets légers ou sérieux. Et donc ça doit aussi permettre ça, le numérique, c'est de ne pas simplement être enfermant. Je dois m'appeler alexandre.desrousseaux@nordpas-de-calais.fr, ça je l'ai placé, mais j'ai le droit de m'appeler aussi Lulu22, même si je ne suis pas du Calvados. Alors, je voudrais peut-être compléter, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, je travaille aussi un petit peu sur ces sujets de la démocratie et du numérique, pour rappeler qu'il y a un certain nombre de plateformes qui aujourd'hui existent et qui sont elles-mêmes limitées par le fait que la question de la gestion de l'identité n'est pas réalisée. Je voudrais prendre pour exemple Parlement et Citoyens, dont on parlait tout à l'heure, qui est une plateforme dont Claudie parlait tout à l'heure, qui est une plateforme d'élaboration de la loi. Je voudrais parler de la plateforme Parlement et Citoyens version professionnelle qui a été déployée pour la concertation sur la loi, sur le numérique, qui ont le même problème que d'autres applications du point de vue de l'identité. Par exemple, quand on a un système comme Questionnez vos élus, qui marche assez bien, où on relaie via des applis, on peut questionner directement ses élus, même si on ne sait pas comment ils s'appellent, qui ils sont, parce que souvent on ne connaît pas ses élus, mais on adresse les compétences de l'élu. On a des plateformes comme Carticipe, une cartographie où on peut se géolocaliser et dire ici, là, j'ai tel problème qui est un problème qui est lié à l'espace public et je m'exprime à propos de ce problème, y compris en termes d'urbanisme, de transport, etc. On a également tous les systèmes de requêtes qui sont donc là, qui touchent plus la relation non plus aux élus mais à l'administration, qui sont peut-être une partie qui est moins celle de la démocratie participative, plus celle de la vie citoyenne, mais qui est de dire l'ampoule ne marche pas à tel endroit, il y a un trou dans la chaussée à tel autre. Eh bien, toutes ces plateformes aujourd'hui ont un problème, c'est que on est qui on veut. Éventuellement on peut nous trouver facilement si on ne veut pas être trouvé, donc on a des problèmes d'anonymat, de pseudonymat ou de déclaratif organisé, notamment quand on accompagne la loi. Jusqu'à maintenant, la création de la loi se faisait par des citoyens responsables et visibles. Qu'est-ce qu'il en est de ma capacité à rester invisible, avoir le droit d'être invisible sur la question de l'identité? C'est aussi un sujet, et je crois que toutes ces plateformes se posent la question, notamment sur la loi sur le numérique. On sait qu'il y a eu énormément de participation, on sait aussi qu'il y a des lobbies qui ont fait participer probablement des robots pour aller voter sur j'apprécie pas, hein, puisqu'il y avait cette option-là aussi. Probablement, j'espère, pas pour mettre des propositions, mais on a aussi ce problème-là sur ces plateformes qui pourraient trouver leur solution au travers d'un dispositif comme France Connect, par exemple, puisqu'on régulerait la participation. Sachant que derrière, vous voyez qu'on embraye, j'embraye avec plaisir sur votre question, monsieur, mais c'est vrai que derrière, on a la question du vote. Si on ne prend pas en considération la dimension transformation de la démocratie qui est possible avec ces outils, même si on ne la prend pas et si on reste sur la démocratie représentative, aujourd'hui, on peut imaginer que grâce à des dispositifs comme France Connect, on soit sur une capacité de faire, il y a des personnes et des groupes qui en débattent, de faire du vote à distance, du vote politique à distance, puisqu'enfin, la question de la sécurisation du vote individuel par l'espace dans lequel on vote, donc on n'est pas dérangé dans son vote, qui était le grand frein quand on a travaillé avec
les juristes au niveau de l'État sur ces questions du vote électronique, et le vote à distance avait été arrêté parce que simplement les femmes, c'était notamment elles qui étaient en question, étaient souvent suiveuses dans leur vote de leur mari. Or, quand elles sont dans l'isoloir, elles font ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on peut imaginer que face à leur ordinateur ou à leur téléphone portable, grâce à une identité protégée, elles puissent à nouveau, là aussi, faire ce qu'elles veulent. Donc, on est dans une évolution... Non, mais ça te fait rire. Allez, je t'en prie. Non, Jean-Paul n'est pas du tout d'accord. Non, c'est pas, je ne suis pas du tout d'accord. Débat, mais... Excusez-moi, juste pour finir, c'était d'accord. Un des grands débats du Forum des droits de l'Internet auquel j'ai participé pendant plusieurs années sur la question du vote électronique. Et c'était Isabelle Falque-Pierrotin qui les dirigeait, l'actuelle présidente de la CNIL. Enfin, je pense qu'effectivement il y a débat, mais le propre de l'isoloir, c'est d'être sûr qu'il n'y a qu'une personne qui met le bulletin. Et quand bien même une personne aurait une identité numérique sur son téléphone portable ou sur une tablette, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui lui met quelque chose sur la tempe en lui disant, ou qui lui tord le bras en lui disant « tu vas voter comme ça ». Jean-Paul, il n'y avait pas de piège, mais si on considère qu'il y en avait un, si tu remets en question le principe de France Connect. Parce que c'est valable pour tout acte administratif par ailleurs. Oui. Mais après, c'est une question de portée. T'as bien eu. Parce que, Laurent ou les spécialistes, là, vous en dites quoi ? Est-ce que la personne est vraiment derrière son identifiant avec France Connect ? Je pense que Guillaume aurait mieux répondu que moi. Théoriquement, la plateforme de l'État et France Connect, au-delà de définir un schéma d'identification, permet également de mettre en face des niveaux d'authentification adaptés au niveau d'assurance qui doit être fourni pour le service qui est proposé en ligne. Donc ça va aller de l'authentification faible à de l'authentification forte ou substantielle, et ça sera défini par le fournisseur de service. Voilà, donc normalement, il y a moyen de renforcer l'authentification. Ensuite, il y a toujours une limite, évidemment. Pour aller dans le sens des collègues qui intervenaient tout à l'heure sur les sujets de sécurité, une des caractéristiques de la bonne sécurité, c'est qu'elle soit proportionnée. Et donc, il faut un ensemble de process et de technologies qui soient proportionnées à l'impact de l'acte. Sur un sujet administratif, effectivement, on peut déclarer ses impôts sous la contrainte. Ça a moins d'impact que de voter sous la contrainte. C'est déjà le cas, c'est ça ? Mais c'est déjà le cas. Je voulais juste dire une chose, c'est étonnant comme quand on remet de l'humain dans le système, d'un coup d'un seul, la machine bug. Oui, effectivement, ta réponse est la bonne. Parce qu'effectivement, on pourra toujours avoir, à un moment donné, quelqu'un qui tordra le bras, quelqu'un qui menacera. Voilà, l'intentionnalité peut toujours être contournée. Ne nous leurrons pas, les systèmes ne nous protégeront jamais complètement. Et c'est très bien. C'est pour ça que, sinon, c'est Orwell. Je pense que ce qui est très bien, c'est qu'on accompagne à la fois les systèmes de sécurité, c'est vous qui le disiez, de l'accompagnement, enfin de les aspects humains. Moi, je me souviens, c'était un prépa concours, un examen blanc. On demande à un informaticien, voilà, vous avez un collègue qui arrive avec des virus tous les matins sur une clé USB, que faites-vous ? Je soude le port USB. Bon, ok, il y a peut-être de l'humain à remettre là-dedans. Et c'est ça qui est aujourd'hui intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les technologies, vous nous l'avez démontré, sont là. Il y a peut-être du côté de l'humain à mettre l'humain et les décideurs publics, on en parlait tout à l'heure, au niveau des technologies et de ce qu'elles peuvent faire. Alors, nous avons encore un petit quart d'heure avant de conclure. Alors, on peut évidemment avancer la conclusion, mais voilà, je voudrais que les sujets qui n'ont pas été abordés ou les personnes qui veulent s'exprimer, même sur des choses séparées les unes des autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, François Dubreuil, donc je suis le correspondant informatique et libertaire. Voilà, c'est bon. Même cause, mêmes effets. Donc je reviens. Donc François Dubreuil, je suis le correspondant informatique et liberté de la MEL. Je n'ai pas pu venir ce matin pour des raisons professionnelles et je m'en excuse.
Je voulais simplement faire deux remarques. La première, exprimer une expérience en tant que secrétaire de mairie de quartier sur l'autonomie des personnes. Je peux vous assurer que j'ai déjà vécu madame qui arrive faire une démarche administrative avec monsieur qui est à même pas quelques centimètres, voire même éventuellement un individu, négocier une aide sociale avec un fusil à canon scié caché sous son imper. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas opposer les démarches dans le réel et les démarches dans l'espace numérique. La question, c'est tout simplement à la fois l'identification des personnes et leur autonomie réelle et supposée. Et ne parlons pas de ceux aussi qui, intérieurement ou mentalement, n'ont peut-être pas toute leur capacité ou toute leur qualité intellectuelle. Ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, je pense que l'identification et la confiance, ça suppose aussi la transparence. Et je me permettrai simplement de terminer mon intervention sur l'allusion au mode de régulation qu'il y a sur Wikipédia, où vous avez à la fois des identifications et les personnes qui ne sont pas celles qu'on pense être ou qui ont des orientations ou des informations orientées. Il y a une régulation qui est faite collectivement. Et je me permettrai de faire une pensée émue pour mon fils, qui est tout de même un contributeur expérimenté de Wikipédia. Et quand il m'explique ça, je regarde avec des yeux épaillis. Mais je me dis que, d'une certaine manière, dans le monde numérique, la démocratie participative, elle existe, et notamment vive Wikipédia. Merci. Merci beaucoup. Autre remarque, autre sujet qu'on n'aurait pas abordé, qui vous semble lié, une question qu'on ne s'est pas posée, personne n'a parlé, ou très peu, peut-être Guillaume Blot ce matin, légèrement d'accessibilité, par exemple. Est-ce que tous ces systèmes d'identification, d'authentification vont être accessibles pour toutes les populations, y compris les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on est dans une relation où les élus doivent pouvoir prendre le relais en toute confiance pleinement, ou comment doit s'opérer le contrôle citoyen s'il s'opère? Est-ce que ça nécessite de nouvelles instances? Quel impact cette question de l'identité pourrait avoir, y compris sur la question de la relation au territoire? Aujourd'hui, est-ce que l'individu doit être considéré comme relié, voire lié à son lieu de domicile, ou est-ce qu'il est plutôt relié ou lié à son lieu de travail? J'évoque là au passage les cartes qui pose cette question-là, puisque quand on a une carte, elle est de tel territoire, et si on passe dans l'autre territoire, on n'a pas les mêmes services, sauf si on élargit le territoire. Donc ça pose derrière la question de savoir si il devrait y avoir une... Personne n'a osé prononcer l'expression de carte d'identité électronique, d'identité électronique, ce qui était le débat, excusez-moi, là je me permets de dire qu'il y a 10 ans c'était ça le sujet quand on parlait d'identité. Or, la France a totalement évacué cette question-là. Voilà, je pense qu'il y a ces sujets-là et d'autres qu'on n'a pas évoqués. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, que vous voudriez au moins marquer en posant une question, j'ai envie de dire en l'air, à laquelle on n'a pas probablement la réponse? Est-ce qu'il y a encore des sujets qu'on devrait explorer? Alors, un petit temps de conclusion. Sur la carte, la carte de transport, la problématique, il y avait une norme Calypso qui devait être diffusée au niveau national, permettant d'utiliser son support, quel que soit le... Le projet actuel Triangle 2, mais à la base, le protocole Calypso devait permettre de porter un titre de transport sur un support et d'utiliser ce type de transport, quel que soit le réseau où on allait. En fait, c'était une utopie, puisque chaque AOT a défini son propre masque de sécurité, ce qui fait que le système, même si la norme elle est nationale, le système de sécurité est surtout local. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus connecté, et en fait, l'élément de sécurité n'est plus obligatoirement porté par le support, ce qui fait que demain, j'utilise ma carte bancaire pour prendre le bus à Amiens, j'arrive à Lille, j'utilise ma carte bancaire pour consommer de façon anonyme, sans avoir à être déclaré ou enrôlé, de consommer du service public sans être obligé de déclarer une identité. Donc aujourd'hui, on parle d'identité, mais aussi la base, c'est qu'on a le droit aussi de consommer du service public sans avoir à déclarer son identité,
quel que soit, on a un moyen de paiement sur soi, j'ai le droit d'être en capacité d'utiliser ce service public sans avoir à déclarer mon identité. Très bien, donc merci. Peut-être une phrase sur un mot, enfin, sur voilà, si on devait rester vigilant, quel serait le point de vigilance sur lequel chacun d'entre vous voudrait, quel est le point de vigilance que chacun d'entre vous veut rappeler en cette ce temps de clôture de la journée, Maurice. Alors, tout à l'heure, on parlait de Facebook et d'autres. Je pense qu'il ne faut pas oublier dans la liste les éditeurs de logiciels métiers qui, effectivement, récoltent tout un tas de données, d'autant plus qu'on va de plus en plus vers le mode SaaS. Est-ce que dans vos marchés, vous mettez des clauses de confidentialité, des clauses de réversibilité, des clauses de non-réutilisation des données, etc., etc. Ça, c'est, à mon avis, un point de vigilance qu'il faut avoir pour l'avenir, parce que le développement du mode SaaS va faire qu'il y a de plus en plus de chances que les données, que vous soyez dépossédé de vos données, en fait. Même si vous en êtes toujours propriétaire et responsable. Ça veut dire que vous êtes responsable du traitement, alors que vous ne savez pas ce qu'il y a dans les bases de données, vous ne savez pas quels sont les traitements qui sont faits, mais vous en êtes responsable quand même. Difficile. Bateau, je vais revenir sur n'oublions pas de donner aux hommes la capacité d'être maîtres de leur identité, qu'elle soit numérique ou pas, et y compris leur droit de se travestir. Produire de la donnée, et je dirais aussi ne pas se mettre trop de freins, et notamment, je vois, quand on dématérialise des services, finalement, on aurait tendance des fois à avoir des problèmes qu'on ne s'est pas posés sur les services qui sont en place avant d'être dématérialisés. C'est la réflexion sur le vote électronique tout à l'heure. Alors moi, ce serait de penser à l'utilisateur d'abord, et aussi à la fin de notre relation avec l'utilisateur, c'est-à-dire à un moment donné, s'il doit quitter le service parce qu'il en a envie, qu'il puisse le faire, qu'on puisse lui restituer ses données. Et d'ailleurs, je vais juste un mot sur la loi Le Maire sur le numérique, qui a introduit des choses très intéressantes dans le sujet sur la portabilité des data et la portabilité des contenus des boîtes mail. Et c'est quand même ça. J'espère que ça va aller jusqu'au bout, que ça va être voté au Parlement, parce que demain vous allez pouvoir changer de fournisseur de service et demander à votre nouveau fournisseur de transférer le contenu de votre boîte mail au nouveau fournisseur, voir le contenu de votre Dropbox, voir le contenu de votre XXXbox. Du coup, c'est le fait de on parlait tout à l'heure que l'utilisateur doit être vraiment propriétaire de ses données, on doit pouvoir lui rendre, ben oui, c'est pouvoir lui restituer à un moment donné s'il le souhaite. Oui, pour ma part, ce serait d'être vigilant à ne pas sacrifier l'éducation et le pouvoir d'agir des citoyens à l'aune de la simplicité. On a beaucoup dit qu'il fallait simplifier la vie des gens. C'est sûr qu'aujourd'hui, Google et Facebook, c'est beaucoup plus facile que tout le reste. Il ne faudrait quand même pas qu'on sacrifie tout à l'aune de la simplicité. Très bien. Vous me permettrez de rappeler une petite phrase, une petite vigilance à mon tour. On a lancé un appel via Internet qui a été déjà signé par un peu plus de 80 élus sur reconnaître l'accès à Internet comme un droit fondamental. C'est une reconnaissance qui a été faite par l'ONU, qui n'est pas faite aujourd'hui au terme de la loi. Elle le sera peut-être à l'occasion de la loi sur le numérique également. Pour que le service essentiel de l'information soit maintenu dans tous les foyers, même en situation de difficulté financière, y compris quand comme l'est aujourd'hui l'électricité et l'eau. On a compris qu'il y avait des services incontournables aujourd'hui qui doivent être rendus, donc l'accès reste un enjeu fort.